Je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre de débloquer le camouflage érudit forgé du lanceur RGL80 sur Call of Duty Modern Warfare 3. Pour débloquer ce camouflage, vous allez devoir détruire 25 équipements ennemis avec ce lanceur. Pour ce faire, je vous conseille d'être 2 ou 3 joueurs. Nous, on était 3 joueurs et ça a été très rapidement. Alors, si vous cherchez d'autres joueurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de vous équiper de claymore et dans les améliorations de combat, vous allez utiliser la boîte de munitions. Alors, très important, quand vous êtes sur votre classe et que vous appuyez sur R2, vous avez la possibilité de choisir un gilet. Et là, vous allez choisir le gilet de démolition pour obtenir directement 2 claymore dans votre inventaire. Quand vous êtes stuff, vous allez aller sur le mode de jeu guerre terrestre. Donc, ce que vous allez faire si vous êtes 2 ou 3 joueurs, c'est tout simplement de lancer le mode de jeu en même temps, chacun de votre côté, donc en solo. À ce moment-là, vous allez communiquer avec vos potes pour voir si vous êtes sur la même map, si le timer est le même pour chaque personne et si la partie se lance en même temps. Ensuite, quand vous êtes dans la partie, vous allez regarder le classement pour voir si vous êtes dans la même équipe ou si vous êtes un contre l'autre. Si vous êtes un contre l'autre, c'est parfait, la technique va pouvoir commencer. Alors là, vous avez juste à vous rejoindre à un endroit dans la map et ensuite placer vos clés morts pour que le joueur adverse puisse les détruire avec son lanceur. Vous le faites chacun votre tour et quand vous avez plus de munitions, vous lancez votre boîte de munitions, vous récupérez les munitions et vous demandez même à l'autre joueur de casser votre boîte de munitions parce que je pense que c'est comptabilisé aussi pour le défi. Dès que vous aurez détruit 25 claymores avec cette technique, bah là vous aurez débloqué le camouflage.